monde le plus beau est un tas d'ordures répandues au hasard. Ce monde, pour tous, uniformément constitué, n'a été créé par aucun dieu, ni par aucun homme. Mais il a toujours existé, il existe et existera toujours. Feu éternellement vivant, s'allumant avec mesure et s'éteignant avec mesure. Héraclite descend de la montagne. Grâce aux mots poignants que clame la bouche inspirée de la Sibylle à travers les millénaires, Héraclite d'Éphèse nous parle en pleurant. Je pleure en le lisant. Celui qui possède la parole absolue, celui qui, d'une même origine qu'eux, s'écarte des dieux, Héraclite l'obscur, marche vers la Grèce heureuse, la barbe emplie de fétus de paille et d'insectes. Et, dans le clair matin de la pensée, ô âme, âme, beauté du monde, toi l'indestructible, l'éternellement jeune, tu es. Qu'est-ce donc la mort et tous les maux des humains? Que de paroles creuses ont inventé ces originaux? Toute chose, en fin de compte, advient par désir, et toute chose s'achève dans la paix. Les dissonances du monde sont comme les querelles des amants. La réconciliation habite la dispute, et tout ce qui a été séparé se rassemble. Tout n'est qu'une seule vie, brûlante, éternelle. Héraclite arrive à Éphèse, sa ville natale, cité grecque de l'Asie mineure. Le tout est un, divisible, indivisible, créé, incréé, mortel, immortel, parole et éternité, père et fils, Dieu et homme. L'harmonie cachée surpasse l'harmonie visible. Les hommes, dans leur sommeil, travaillent fraternellement au devenir du monde. Nous entrons et nous n'entrons pas dans les mêmes fleuves. Nous sommes et ne sommes pas. Le singe le plus beau est laid. Compare-le à l'homme. Le maître, dont l'oracle est à Delphes, n'affirme ni ne cache rien. Il signifie. Le soleil, large comme un pied d'homme. Salut Héraclite, car tu l'es. Les Éphésiens ont appris que tu avais refusé l'invitation du grand Darius. Pourquoi ne réponds-tu pas? Afin que vous bavardiez. Les Éphésiens feraient bien de se pendre tous ensemble et d'abandonner leur ville à des marmots, eux qui ont exilé mon amant, Hermodore, l'homme le plus précieux d'entre eux, en disant « Que personne ne se distingue parmi nous, s'il s'en trouve un qu'il aille vivre ailleurs et parmi d'autres. » Salut. C'est Héraclite, le braillard, l'insulteur de la foule qui parle par énigme. À Éphèse, l'occupation supérieure du philosophe est de jouer aux osselets avec les enfants. Oh,
Pas pour Dionysos qu'il mène le cortège et chante l'hymne phallique, il commettrait le plus grand sacrilège. Celui qui règne aux enfers et Dionysos sont un même dieu, il les frappe de délire. Pleurez enfant, vous n'avez plus de père. Dirige vers le temple d'Artémis. Là, il va cacher son savoir. Arrête. Retire-toi. Je suis le seul dieu de ce sanctuaire. Contre son origine, se retire dans la montagne, le front altéré, voué à la solitude éternelle d'une longue déambulation terrestre. L'homme, cette brute, a oublié la sainte équivalence de toute chose, et la Grèce, beauté suprême, sombre. Dans la montagne, plus proche du dieu dont il connaît le défaut, son absence, dans un effort abaissant pour être maître du tout, l'obscur mange des plantes vertes et des feuilles. La foudre pilote l'univers. Le feu progressant jugera et emportera tout. Il faut donc suivre ce qui est commun à tous, c'est-à-dire ce qui est universel. Car le verbe universel est commun à tous. Or, bien que ce verbe soit commun à tous, la plupart des hommes vivent
comme s'il possédait une pensée particulière. Ce ne sont pas mes mots à moi que vous entendez, mais ceux de la parole. Il est donc sage de reconnaître que tout est un. L'homme échappera peut-être au feu sensible, jamais au feu intelligible. Ou bien, comment se cacherait-il de ce qui jamais ne décline ? Naît l'unité et de l'un le tout. Il en devint hydropique. Héraclite descend vers Éphèse pour consulter les médecins. Pouvez-vous changer le déluge en sécheresse ? Même lorsqu'il s'agit de ta vie, tu parles par énigme. Je ne te comprends pas. Le géomètre appliqué à son cercle depuis tant d'années tente de démontrer que le soleil n'existe pas. Enfin, il lève les yeux. Il ne le voit plus. La connaissance de l'homme n'est plus le fait de la médecine. Le géomètre appliqué à son cercle n'est qu'un dégénéré bâtard. Salut. Héraclite va s'enfermer dans une étable afin de se couvrir de boue, dans l'espoir qu'à la chaleur, l'eau s'évaporera. Tu sais allier l'enthousiasme et le froid intérieur. Pour moi, je te trouve parfait.
Oh, mon ami. Le monde est plus clair devant moi que d'ordinaire. Et plus grave. Couvre-moi de boue.